Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons tout simplement faire un petit zombie. Donc, je vous avais pas présenté en fait l'ancienne carte qui était sortie. Je l'ai pas vraiment expérimenté plus que ça. Je me suis dit ça peut être une bonne occasion en fait de s'amuser comme on a pu faire en fait sur Advanced Warfare, etc. Donc, commençons immédiatement sur Black Ops 3 à faire le deuxième zombie qui est sorti. Il y a le troisième bien évidemment. Je suis sur PC donc c'est sûr et certain que j'aurai pas l'exclusivité comme j'ai pu faire en fait auparavant. Parce que tout simplement avant j'étais sur la console où il y avait l'exclusivité. Maintenant ce n'est plus le cas. L'exclusivité est en premier sur PlayStation. Donc voilà, c'est pas trop trop grave. Laissez-moi juste le temps de changer un petit truc. Vous allez dire, tu veux changer quoi, Body? Je veux juste changer en fait le petit truc. Mais comment tu changes déjà? Ah voilà, tu personnalises ça comme ça. On va se prendre une petite boule, je sais pas moi, peu importe. Hop, 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 hop. Celle-là. Voilà, ça m'en fera un petit peu au cas où j'ai besoin, on va dire, d'avoir cette petite boule. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ça, c'est quoi ça? D'accord. Donc c'est bien parce que ça me permet en fait de voir qu'est-ce qu'il y a. Donc vu que j'ai le DLC. Je vois qu'ils ont mis des trucs même pour les DLC. C'est plutôt pas mal quand même. Hein. Donc allez, on va prendre ça. On va pas s'embêter. Voilà, on va faire un petit tour en arrière. On va faire une petite carte en solo. On va faire la nouvelle carte. Bien évidemment sur PlayStation, il y a encore la nouvelle qui est sortie. Je m'en fous. Donc je vous avais présenté celle-là. Donc vous étiez nombreux, on va dire, à l'apprécier. Maintenant, on va tester celle-là ensemble. Donc on va bien s'amuser. Êtes-vous prêts? C'est parti. Donc nous voilà dans le jeu. Je vois déjà qu'il y a un truc à récupérer, je sais même pas c'est quoi ça. D'accord. Oh lolo, oh lolo, oh lolo, c'est quoi tout ça là? Saleté de groupe 935. Suis-je condamné à être éternellement tourmenté par les fruits dégénérés de mes anciens travaux? Bien sûr que oui. Bon, attends, je la connais pas du tout la carte, hein, donc je vais juste jeter un petit coup d'œil. Oh, comment ils sont déjà agressifs eux? Oui, calme-toi. De toute façon, j'ai appris un truc dans ce jeu là, c'est qu'il faut toujours faire attention à nos arrières. Voilà, parfait, parfait, parfait. Donc là, il y a une porte à débloquer. Là, il y a quoi? Oh, ils arrivent même par là. Oh là là, ça va être la galère. Ah, tiens, ça tombe bien. Je vais essayer de prendre directement animation rapide. Faudra juste que je me trouve après le mastodon et après, c'est bon. Donne-moi la force de faire le nécessaire. Ils peuvent arriver derrière? Non, c'est bon. Donne-moi la force, hein. T'as entendu? Il a dit donne-moi la force. Oui, donc en fait, ça peut être une bonne expérience, en fait, ce zombie-là. Et en plus, j'apprécie vraiment beaucoup les zombies, hein, vous savez très bien. Depuis le début, il n'y a que ça sur ma chaîne. Hein. Il suffit de regarder si vous avez envie de regarder mes anciens épisodes sur les anciens Call of Duty. Il y a beaucoup de zombies avec des manches élevées. Ensuite, nous pourrons essayer de sauver le futur. Tu fous quoi, toi, ici, la porte? D'accord. J'étais un petit peu surpris, là, par la connerie. Donc là, il y a quoi, là, activé? Ah oui, t'appelles le train. Oui, voilà, c'est ça qu'il disait, en fait. Tu appelles le train, parce que j'avais le petit truc... D'accord, donc le train arrive comme ça. Y'a quoi dedans? ×2? J'aurais bien voulu avoir des... Oh les enculés, ils m'ont fermé! Oulala, oulala. Oh 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 oh, c'était un petit peu chaud là, je vous le cache pas. Est-ce qu'il y a une arme au mur ou pas? Parce que je vous cache pas que je vais m'en prendre une, je vais tomber. Hein. Bon, j'y réfléchis vite. Moi je me sauve. Aïe 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 aïe, il m'a piqué le cul! Il m'a piqué à la face! Il est malade ce zombie. Et ça fait deux fois que je frôle la mort. Hey, calme-toi. Donc il y a quoi ici à récupérer? Faut que j'aille me chercher en fait une arme. Parce que là je crois que je vais pas tenir longtemps. Donc ils sont combien? Ils sont deux. Deux ça passe. S'ils sont plus de 5 c'est mort. Comme là par exemple en bas ça va être un peu plus tendu. Bon, vous savez bien que c'est deux manches, c'est deux coups de couteau. Donc j'ai de la chance pour l'instant que je suis pas des manches très 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 élevées. Mais ça m'empêche pas de m'en prendre une. Hein. Donc ils sont trois maintenant. Trois. Body, 3. L'arme, elle a combien ici? Ah, c'est un peu... Oh merde, c'est un fusil à pompe, ça. Oups, c'est un fusil à pompe. Bon, faudra que je trouve rapidement l'exploration. Putain, faut que j'explore un petit peu plus la zone, histoire de voir s'il y a un mastodon un petit peu dans les parages. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? J'avais vu... Ah, il est là, il est là, il est là. Faut rétablir le courant. Merci. Donc, attends, parce que je commence en fait à glisser des mains au niveau du joystick. Là, tout de suite, j'aurais besoin d'un esprit assez primitif. Bien évidemment. Un MC, le salopard. Comme il me l'avait dit, Maxis ne semble pas pouvoir me contacter. Mais peu importe. Ah, il y avait une arme aussi ici? Non, ça c'est la même. Il y a quoi ici à faire? Il y a une faille à dégager? Négatif.
Bon, après les secrets, je les fais pas parce que je les connais pas forcément et j'ai juste envie de m'amuser un petit peu sans me prendre trop la tête avec tous ces secrets. Et j'ai pu voir légèrement en fait, hein, avec certains mecs qui partagent, c'est assez sympa. Mais c'est pas pour autant que je suis plus fan que ça, quoi. J'aime bien découvrir par moi-même les choses, même si je sais que le truc est sorti depuis un petit moment. Mais ce que j'adore, sincèrement, c'est découvrir par moi-même en fait, hein. Ne pas me spoiler le truc. Ouh là là, ils sont partout. Derrière toi, Body, attention, c'est obligé. Non, ça va, j'ai de la chance pour l'instant, qu'il n'y a personne. Donc, il va manquer beaucoup de points pour pouvoir actionner après le courant, je pense. Le fusil à pompe, il est bien, mais le problème, c'est qu'il vous rapporte pas beaucoup de points. Donc, on est un petit peu dans le caca avec tout ça. Oui, je réponds. Ici, Nidaigle. À vous? Trop bête. Oui, c'est moi. Docteur Grove, c'est moi, Edvard. Considérez tout rapport du géant et vos commandes d'essai comme erroné. Ouh là là, ils sont déjà là. Désolé, mais je passe par ici. Donc, Richtofen, c'est toujours le truc qui m'a fait toujours marrer depuis qu'il est sorti sur Aldator, en fait. Ça m'a toujours fait marrer ce côté du zombie. Ça fait tellement d'années que ça existe et c'est vraiment un méga kiff, en fait, hein. Qu'il y en a encore qui vont arriver un peu partout. Oui, calme-toi. Oh là là, ça chauffe un peu pour mon petit cul là. Mais ce qui est chiant, c'est que je suis pas forcément bien à l'aise là pour tirer. Faut vraiment que je trouve après une arme qui fait plus de dégâts parce que c'est bien de tuer des zombies avec un fusil à pompe, mais regardez les points que je me fais avec ça. Attends un peu. Tu vois, il y a plus de points à se faire en fait avec une mitrailleuse et avec une mitraillette, etc. Parce que tu mets plus de balles et du coup tu mets plus de temps à les tuer. Mon body c'est bien, mais ferme-la un peu quand même. De temps en temps, on aimerait bien. Ah, ils sont encore là. Bon, je peux les tuer. Continuons un petit peu. C'est assez frustrant de voir qu'ils veulent pas décéder. Et qu'ils veulent plutôt courir sur moi. Oh là là, c'est horrible la chance. Eh, il cavale lui en plus. Il se fout de ma gueule, il se fout de ma gueule, il fait que de courir. Calme-toi, calme-toi, calme-toi le mec agité derrière moi. Bon, faut vraiment que je me trouve une autre arme. Il y a quoi ici à faire? La 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 la. Ah, il y a la boîte. Oh, trop fort. Eh, calme-toi, il court trop vite lui. Il court trop vite cette saleté. C'est quoi ça? Je suis un docteur avant tout. Casquette de soldat, c'est accessoire. Oh, c'est quoi tout ça là? Ah ouais, c'est les petits dragons comme dans l'ancien. Oh, ça, jamais de la vie. Hein. Eh, ils s'en foutent, jamais je prendrais un truc comme ça. Ça, c'est. Avant, en fait, fallait que. Sur. C'est lequel, c'est là? Alcatraz, en fait. Il fallait qu'on les nourrisse. Ils ont dû faire le même système, je pense. Oh putain, il est déjà là, lui. Ah, ça, c'est puissant comme truc, hein. De Maxis et sa fille a déjà été réglé. Merde, 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 dépêche-toi, Body. Oh, le temps de recharger, c'est un peu galère. En fait, ce qui est chiant dans ce zombie-là, c'est qu'ils arrivent extrêmement vite. Bon, je me casse, hein. Je vais pas tenir longtemps, en fait. Je sais qu'il faut les nourrir, mais je m'en fiche un peu. Je suis sûr que derrière moi, il y en a encore. C'est ça qui est un petit peu. C'est un zombie un peu imprévisible maintenant. Ils ont changé le système, tiens, ils sont déjà derrière moi. Tu t'es aventuré trop loin. Pourquoi ne pas reposer tes jambes? Si je me fais bloquer dans un escalier, je suis comme un gros con. Oh, attends. Ah, il va pas me gêner lui. Désolé si je parle un petit peu en différé, c'est que je suis en train de paniquer. Comme je vous ai dit, dès que vous avez pas le masto, vous n'êtes pas rassuré. Et là, c'est un peu mon cas. Y'a quoi là à faire? Ah, ça monte. La la palap la palap palap. Ça monte où encore ça? Ça monte ici. Non, là les portes sont condamnées. Faut mettre de l'électricité à mon avis.
Merde, 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 y'a quoi ici à faire? Une capsule temporaire, je sais pas trop quoi. Ça, c'est la cousine Jacouille qui est là. Ça, ça changera jamais ce côté-là. Tu peux pas trop sauter où tu veux. Hein. Est-ce que ça, je peux le déblayer ou pas? Donc ça, je l'ai déblayé. Y a quoi à faire là? J'ai passé tant de nuits agréables ici, plongé dans mon travail. Mes trêves de nostalgie, la mission doit continuer. Oh, les ordures. Ils m'ont mis 1500 points pour pouvoir actionner l'électricité. J'aurai jamais les moyens nécessaires. J'ai même pas envie, trop envie de lui tirer dans la tête. Bon, ça, c'est le rampant qui arrive. Oh merde, là je suis cuit ici, hein. Faut que je me sauve. Mais c'est pas mal quand même, hein, comme ils ont fait ça. Oh, c'est magnifique. C'est quoi tout ça là? Donnez-moi leurs âmes. Ah, ça j'aime bien ce passage là, donnez-moi leurs âmes. Les chiens démons nous flairent. Envoie-moi les chiens. Plutôt les hyènes. Je ne suis pas ta proie. Ouais. Les hyènes, ça va, ça reste quand même le truc le plus facile. Pile poil le truc qu'il me fallait. Bon, maintenant faut que tu te défends. Oh. Par contre, le rechargement, il est. Au secours, comment il est long! Munition au max. Bon, Body, maintenant que t'es là, vite l'électricité, c'est où? Oh putain. C'est où, c'est là? Bon, on explorera ça juste après, faut que je me sors d'ici. Donc je suis arrivé par là. Moi j'ai pas le choix, je m'en fous, je prends la bombe. Comme ça je vais essayer de me chercher un peu mastodon. Voilà, donc maintenant à moi de faire très attention. Parce que c'est là que ça va vraiment se corser. Oh putain. À chaque fois il me fait flipper lui. Dommage que j'ai pas de mort instantanée ou un truc comme ça. Oh putain, je suis où là? Oui, je me suis mis dans une sacrée merde. Oui, oui. C'est... Oh lolo. Oh lolo. Hey Jacqueline. Oh la merde. Ah, je me suis fait piquer. C'est ça qui est un petit peu chiant sur ce zombie là, c'est qu'ils arrivent vraiment partout, partout, partout. Par contre, si tu pouvais être plus rapide la prochaine fois. Ouais. J'essaierai. Mais putain, mais en fait. Ah mais ils sautent partout. Bon, laisse-moi le temps d'y aller chercher mon masto et fous-moi la paix, hein. Bon, donc, j'ai pas eu de bol en fait depuis le début, c'est que j'avais pas forcément les bonnes armes. Derrière moi, il va arriver. En fait, ce que je peux reprocher pour l'instant, c'est que dès que t'as un fusil à pompe, tu fais vraiment aucun dégât. Il y a quelqu'un ici? Bien évidemment. Et en plus, tu les tues même plus quoi. Salut les gars! Il y a quoi ici là? C'est une porte à combien? Ah, c'est ouvert tout seul! Bien! Ah bah fallait le dire! Et là je suis bien en fait aligné donc je pourrais tout simplement prendre le masto, mais ils vont encore arriver par derrière. Non, il était obligé de se pointer là lui. Bon putain, il m'en manque pas beaucoup hein. Donc j'ai un rampant. C'est une bonne idée ça. J'ai un... Oh putain. Laisse-moi le temps, s'il te plaît, de revenir à la vie. Donc, j'ai pas le choix que de... De toute façon, j'aurais pas assez encore pour le mastodon. C'est chiant, hein. Oh, il me manque un petit peu. C'est 2500. C'est pas mal quand même, on peut explorer un peu si vous voulez. Ah oui, donc j'aurais pu passer par là. Ok. J'aurais pu passer par là. Je pense qu'il va être là. Envoie-moi encore, s'il te plaît, des comme ça, des debout là. Bizarrement, il veut pas m'en envoyer. Hein. Donc là, faut que je fasse très attention parce que je risque d'avoir des sacrées difficultés maintenant à aller plus loin. Et là, je suis tombé une fois par terre comme un idiot. Tu vois?
problème, c'est que ça va vite se corser maintenant. Je crois, pour m'améliorer, je vais prendre une bubble gum, hein, je m'en fous. C'est quoi ça? Ah merde, faut la prendre, c'est vrai, je suis con moi aussi. Hein. Ok, mes papillons ont déjà connu pire. C'est quoi cette connerie là? Ah, permet d'acheter un atout supplémentaire. Merde, ça j'aurais dû le prendre un peu plus tard. Faut pas que je reste trop statique, parce que derrière moi, ça va arriver en moins de 2. C'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que ça arrive de tout... En fait, tu peux plus faire comme avant des grosses vagues derrière toi. Parce que tu te rends compte qu'ils se foutent de ta gueule, les zombies, dans celui-là. Tu regardes. Putain, mais je cours tellement lentement en plus. Je suis à combien? Putain, j'ai pas assez. Il faudra quoi qu'il arrive que je fasse le tour, je m'en fous. C'est là qu'il faut pas que je me fasse coincer. Ah, enfin il me donne une super belle arme. Je n'ai que faire d'un marteau et de clous. Enfin. Faut que je m'efface un max de points là. Voilà, ça va devenir beaucoup plus facile à jouer. Pourquoi pas ? Je ne risque rien. Si je me fais pas bien évidemment bloquer. Je m'en doutais que j'allais avoir ce genre de petites conneries. Ils sont combien encore ? C'est le dernier lui, donc du coup je vais m'amuser un peu à le faire tourner. Comme ça je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à débloquer ou je sais pas encore. Hein. Mais je vous cache pas que j'ai eu un petit peu chaud au postérieur. Voilà, comme ça, si je meurs, je suis bien. Et je crois que je vais garder l'atout que j'ai sur le côté pour l'instant. Comme ça, je pourrais en avoir un peu plus, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il y a à débloquer ici? Donc, ça ressemble un peu à ça. Donc là, il y a une faille bizarre. Donc là, il y a une chambre, en fait, de rituel. Les miens ont tenté de maîtriser des pouvoirs qui les dépassaient. Donc là, ah tiens, il y a encore le dragon à nourrir, je pense. Mais ça, pour l'instant, je calcule pas plus que ça. Donc là, en fait, on a un petit passage qui monte où, comme ça, là. D'accord, donc ça, ça devait être un petit peu hein, une autre salle de rituel avec un chevalier, etc., etc. C'est bien fait, quand même, maintenant, les zombies, hein. Il y a de plus en plus de petites énigmes, hein. Donc ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est encore un autre truc. On doit encore nourrir, en fait, à mon avis, des chevaliers. Donc ici, vous avez quoi? Vous avez une porte qui est condamnée pour l'instant. D'accord, d'accord. Donc là, il y a une faille que je dois débloquer. Je m'en doutais. Fous-moi la paix, s'il te plaît, toi. Donc, c'est plutôt plaisant quand même, hein, de voir qu'ils ont énormément mis de possibilités dans, dans ces zombies-là, maintenant les nouveaux. Ah, tour de passe-passe. Je serai maintenant où il est. Ah d'accord, je suis juste ici. Attends, je suis où ici? Tu dis t'es juste ici mais tu sais même pas où t'es body. Donc ça, ça doit être construit ça ou pas? Non. Je fais attention de pas faire n'importe quoi non plus parce que je sais plus du tout où je suis. D'accord, donc là il y a une faille bizarre avec des commandes, un générateur activé. Voilà, c'est activé. À mon avis il faut monter quelque part là-haut. Négatif. Des fois, je fais attention de bien chuter parce que je sais qu'une fois, je me suis un petit peu claqué le pied comme ça et je suis mort en fait. Bon, ce que vous voulez voir, c'est la suite, il n'y a pas de souci. Laissez-moi juste le temps de... C'est combien ça? C'est 1000. Merde, j'aurais pas assez de toute façon. Bon, c'est pas grave, on va essayer de tourner ici, même si ça va être très très chaud. J'ai pas forcément les armes adéquates pour ici, pour cette zone. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est pas grave, on essaiera de faire de notre mieux. Je vous garantis pas forcément le résultat super intéressant. Mais bon, comme on dit, qui tente à rien n'a rien. Et vu que c'est quand même une petite expérience toute nouvelle pour moi sur ce nouveau DLC, donc j'en profite un peu pour découvrir des nouvelles choses. Enfin, c'est ça que je voulais depuis longtemps. Oh, si je pouvais faire durer le plaisir un petit peu plus longtemps.
Ah, c'est ça, bizarrement, c'est juste des fois, certains trucs comme ça qu'il faut un petit peu plus de bonus. Et un petit x2, ça aurait été pas de refus. Ça me permet de recharger un peu. Faut que je me dépêche de mitrailler rapidement, c'est cela. Ah, je me suis un peu trop lâché là. Ici, pour tourner, c'est excellent en fait, hein. D'accord, en fait, il y a un fusible qui apparaît de temps en temps pour un train. D'accord. Donc le train, à mon avis, il doit y avoir un petit secret ou un truc comme ça. C'est jouable ici, en fait, hein. Regarde. Tu tournes comme ça. En fait, je pense qu'ouvrir la porte derrière, c'est une grosse connerie. Je suis pas certain, mais c'est ce que je me pose comme question. Un avenir avec un chargeur vide n'est pas un avenir souhaitable. Ah ouais, t'as raison, le chargeur est vide. Bon, ouvrons derrière. C'est quoi ici? Encore une autre salle. Mais sérieux, c'est des malades ici. Trois armes. Ok, bon, moi, je sais à peu près où tous les bonus se trouvent. Mais sérieux, j'en ai marre d'ouvrir tous ces trucs, moi. Ah ouais, c'est vers là. Ah oui, ça nous mène ici. Ok, d'accord, je serai maintenant. C'est pas mal quand même. Hein. Donc je vais vite fait faire un tour à la boîte. Parce que je sens que je vais pas tenir longtemps avec mes armes actuelles. Un petit laser, ça m'aiderait bien, je vous le cache pas. Je pense que je vais essayer de me remplir les poches avec plein d'atouts. À quoi bon tous ces efforts si je n'ai plus de munitions? Oh merde, un deuxième fusil à pompe. Et ça repart encore. J'en ai marre de ces fusils à pompe, je te le jure, j'en ai marre. J'en ai marre de tous ces pompes. Deux fusils à pompe. Et je suis même pas sûr qu'ils sont assez puissants. Je retourne un petit peu là-bas parce que j'ai l'impression que c'est une bonne zone pour tourner. S'ils arrivent pas tout de suite sur moi. Hein. Vous savez très bien que sur ce genre de zombies, ils vous bloquent rapidement le passage et vous êtes comme un gros con après bloqué. C'est ce qui m'arrive souvent en fait. J'ai remarqué. Ici, je pense pour tourner, c'est excellent. Oh bien, il a quand même une bonne portée celui-là. Voir si je peux m'aligner les trois. Mon cul, ouais. Ah si, ça va. Ah, il est balèze. Hein. Bon, je crois que c'est le meilleur pompe pour l'instant. Oh putain. Par contre, c'est la meilleure meute de zombies aussi qui arrive. Tournons bien. J'enfreins les règles tout le temps. Mais le zéro contact, c'est sacré pour moi. Tourne bien, body. Va doucement. Te presse pas. Alors, regarde bien le sol. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Mesurer tout ça. Après, on va faire vraiment très attention de pas non plus faire n'importe quoi. Parce que je risque de souffrir. Voilà, tu vois, en fait, il faut se déplacer vraiment en douceur. Attends qu'il arrive. J'ai appris maintenant comment se déplacer avec les zombies. Ouais, mais pas jusque-là, quand même. Hein. Aïe, 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 aïe. J'ai pas appris non plus à tourner comme ça. C'est bien. On retourne de ce côté-là. Donc, ça va, ils sont quand même bien étudiés, les zombies, qui m'emmerdent pas trop sur mon chemin. Oh, secours. Eh, franchement, ça fait peur. Bon, je vais mettre ce pompe-là. Je sais pas, c'était quoi? C'était des munitions, je crois bien. Oui, c'était ça. Voilà. En moins, c'était sympa, là. Et je vous emmerde, les zombies. C'est quoi encore, ça? Un charpentier. Vous voyez, le pompe, c'est ça qui est chiant, c'est qu'on a très peu de balles. Hein. C'est body, t'emmerdes même pas. Voilà, je vais prendre une arme ici, comme ça je vais me faire des points. Ah oui, ça va beaucoup plus vite comme ça. Il y a quoi ici encore là à se déblayer là? Non, t'es sérieux, il y avait encore un truc à déblayer, 1800 j'ai vu. Je suis pas idiot. Hein. Ouais, il y avait un truc à 1800 quelque part. Bon bref, je repars un peu en arrière pendant qu'il y a un zombie qui se balade. Ça me permettra de faire rien du tout parce que ça me permettra de rien. Restons ici pour l'instant. Donc après, plus tard la manche 15, si j'arrive à bien évidemment encore tenir ce rythme là, de pouvoir en fait piocher encore d'autres atouts et des nouvelles armes dans le coffre. Mais ça a l'air de bien se compliquer. Hein. Faut vraiment faire attention au niveau du sol comment on se déplace. Je suis docteur. Je te recommande un long séjour.
Heureusement que le mastodon, en fait, je l'ai, c'est psychologique, j'ai l'impression. Depuis que t'as le mastodon, tu te sens un peu plus... Waouh. Tu te permets de faire plus de choses, que sans mastodon, c'est beaucoup plus dur. Pour ceux qui me demanderont encore c'est quoi le mastodon, c'est un truc qui te permet d'avoir une vie un peu plus accrue. C'est-à-dire que tu te prendras un peu plus de baffes pour mourir. Putain, là, ça va être chaud si je reste là. Là, c'est pareil. Maudit, tu te déplaces trop vite, là. C'est vrai, t'as pas tort. En fait, faut que je me déplace un peu moins rapidement. Oh putain, oh putain. Ouh là 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 là. Ils sont fâchés, hein. Ils sont vraiment très fâchés, hein. Un petit x2, ça va pas nous faire de mal après. J'attends un petit peu d'avancer. En fait, j'ai l'impression que j'ai un peu bu, en fait. Dès que je bouge un peu trop vite. Tu vois ? Le chemin du succès est semé d'embûches. Ok, x2 ça va me permettre de me faire énormément de pognon. Vous voyez, c'est toujours un zombie qui galère et qui est tout simplement isolé. Vite, 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 des munitions. Donc ça va, je me suis fait énormément de points ici. Et la différence avec les armes. Oh, magnifique. Mon petit joujou préféré. C'est l'heure de leur casser les jambes et les bras et le crâne. Oh, 8000, hein. C'est plutôt sympa, non? Après, faut que j'aille chercher un peu le tour de passe-passe. Je sais pas si avec cette arme-là, je peux. Je sais plus où il était, le tour de passe-passe. Il était là. Non, tu peux pas. Bon, en tout cas, je sais qu'il est là. C'est quoi, ça? La créature mécanique frappe à nouveau. Oh, j'ai eu de la chance de malade. Oh, j'ai eu de la chance. Franchement, j'appelle ça avoir un coup de bol de ouf, d'avoir en fait eu cette arme-là directement dans ma possession. Ah, par contre, je sais pas, il y en a qui courent un peu plus vite que les autres, non? Encore un petit effort. Faut pas que je me fasse bloquer en fait un passage. Encore un peu. Oh là là, oh là là. Eh, par contre, ils arrivent d'une vitesse. Je sais pas, il y en a beaucoup plus là. Et je me déplace tellement mal en fait que je deviens très très vulnérable. Voilà, faut se déplacer un peu plus comme ça. Tu vois, ce qui est chiant, c'est que t'as toujours un zombie, comme j'expliquais, qui est en face en train de m'emmerder. Élimine le plus rebelle. Je sais pas ce que j'ai fait là. La bombe, ça sert à rien. Et je détruis quand même, comme un con. Donc je vais tout simplement ramasser maintenant le petit truc. Ouais, faisons pas les cons. Hein. J'en sens le goût jusque dans mes narines. Soyons pas cons. Voilà. Donc là, j'ai la mort instantanée. Je ferai autre chose que tuer et mutiler. Bien sûr. On va essayer de faire attention quand même. Hein. Je vais rester prudent parce que... Vous avez vu comment ils arrivent vite? Ah merde, c'était le dernier! Oh le con, je pensais qu'il y avait la nouvelle manche qui redémarrait. C'est pas grave. Donc à moi maintenant de me méfier. Parce qu'en fait, j'aimerais bien me balader pour la fin pour prendre encore d'autres atouts. Et on dirait, mais comment ça? Bah, je peux en prendre 5 en fait, des atouts. Hein. Mon 4 avec mon truc à côté, ça fait 5. Et du coup, c'est très intéressant d'en avoir 5. Parce que moi, mes armes, vous voyez, elles font plus du tout dégâts. Je m'en doutais que ça allait être comme ça de toute façon. À moins que je fais des têtes, mais c'est pas forcément très facile à les faire. Faut que je trouve l'atout pour courir plus vite aussi. Celui-là est très très intéressant dans des cartes comme ça aussi grandes, quoi. Là, faut que je prenne le pompe parce que si je me bloque, il va vite m'avoir l'autre. Vous voyez, il faut 2 balles maintenant pour pouvoir neutraliser un individu. Regarde, 2. Même pas encore, ça dépend. Ah, ils me font transpirer ces petits cochons. Attends, je me gratte le nez, bouge pas. J'espère ne pas me faire avoir pendant ce temps-là. Quelle horreur ! Je dois laver ma figure. Oh putain, putain, ils arrivent de tous les côtés, de tous les côtés! De tous les côtés, de tous les côtés, de tous les côtés. En fait,
Ce qui me saoule en fait, c'est la visée des fois qui va tout seul sur les zombies. Faut que je la désactive cette visée. Parce que ça me fait tourner trop la manette n'importe comment. Donc, du coup, je perds en fait. Des fois ma rotation. Ça me dévie en fait. Ouais, merci. Je me suis légèrement bloqué quelque part là. Ouh, j'ai eu chaud. Body, tu fais n'importe quoi. C'est vrai. T'as pas tort. Ouais, faut vraiment que j'aille après piocher dans le coffre, hein. Faut que je me laisse une dizaine après par terre. Tu vois, regarde, cette rotation de merde, en fait, elle me fait perdre. Carte de visite. Merci. La bombe, je la prends pas, hein. Bon, enfin on peut se balader tranquillement. Bon, là j'ai trois armes. Ça peut être intéressant ou pas? Ouais. Ça va pas disparaître par contre, attends. Eh, calme toi. C'était pas prévu qu'il se calme. Allez, disparaît mon arme, merci. Donc là, je peux avoir une arme Tout comme la supplémentaire, c'est boîte, cool. on dirait que les machines nous suivent à la trace. Donc là, il y avait le masto. Double coup, je m'en fous un peu, hein, je vous le cache pas. Toute façon, j'ai tellement de points là que maintenant, je peux. S'ils meurent pas les zombies là, derrière moi, bah, je peux aller très très loin en fait dans la progression. Bien évidemment, si j'ai un coup de bol dans le coffre. Hein. Une balle? Comment est-ce possible? Je faisais gaffe Un pourtant. laser ou une arme un peu plus puissante, ça m'aiderait grave. Hein. Le bonheur, Tu vois, il m'entend des fois parler. les lasers tout chaud. Par contre, le laser, je l'ai en troisième truc, quoi. Avec assez d'explosifs, j'arriverai peut-être à démolir ce château une bonne fois pour toutes. Où vient ta pointe à qui sait attendre? Et j'ai Oh attendu putain, dépêche-toi, Body. n'importe qui ici. Non, pas intéressant. Bon, cherchons un dernier atout. Je garde quand même un peu d'argent au cas où je tombe. Hein. Faut pas être non plus le mec très très pressé. Bon, ils sont le dernier atout. Il n'y a pas de dernier atout ici. Comme ça, je vais essayer de tout ouvrir ici. Là 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 là. Alors, non, la salle des rituels, il n'y avait rien, si je me souviens bien. Faut que j'aille vraiment doucement, parce que s'il y en a un qui décède, je vais être vite coincé quelque part où je veux pas. Donc là, je suis au niveau d'ici. D'accord. Donc il y a quoi ici? Il y a des failles. Pour l'instant, ça, comme je vous ai expliqué, je m'en fous un peu. Donc là, il y a quoi encore à débloquer? Il y a un petit passage qui te permet de passer par là. Et j'ai un acharné qui voudra me piquer mon petit postérieur dans pas longtemps. Donc là, il en reste un peu énervé. Je vais prendre le laser au cas où j'ai un pépin. C'est où le truc pour courir plus vite? C'est ça que je cherche en fait depuis tout à l'heure. Non, 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 non. Je vais finir par le trouver, vous inquiétez pas. C'est juste une mini question de temps. Ouais, mon cul, ouais. Oh là là, comment il me fonce dedans, lui. Il m'a pris pour sa copine. Non, mais c'est un truc pour courir plus vite, ils l'ont mis où? Par contre, trois armes, vous allez voir, c'est un peu galère aussi, hein. À manier. Déjà, mais comment ça, c'est galère à manier? Bah c'est chiant parce que tu peux vite te faire avoir en fait. Donc là pour moi il est pas là l'atout. Je suis pas encore descendu en bas. Bah si tu viens de descendre tout à l'heure. Donc il faut que je mémorise aussi le chemin au cas où je dois prendre la fuite, par où je dois passer. Donc pour moi il n'y a rien d'extra ici. Donc là on a tout simplement notre petit truc pour se recharger. Là, il y a une faille bizarre. Putain, mais sérieux, je fais que tourner en rond. Mais en fait, il ne me dit pas qu'il y a que ça comme atout. Ouais, parce qu'après, j'ai celui-là sur le côté. Mais celui-là, on s'en fout un peu. Quoique, des fois, il aide pour le laser, en fait, celui-là. Ça n'aurait peut-être pas dû boire ça, le ventre du.
Ça, je vais voir ce que la boule va nous donner. Avec le bon matériel sous la main, je pourrais identifier le principe actif. Ouais, bah garde cet atout pour toi. Hein. J'étais sûr qu'il servait à rien en fait à ces manches-là. À ces manches-là, il sert plus à rien. Ah, ça coûte cher leur truc. Quand j'aurai fini de mâcher, j'irai cracher sur la tombe de mes ennemis. Donc là, je peux utiliser des armes comme celle-là, par exemple, sans problème. Bon, c'est parti. Voilà, on va rester là pour l'instant. On va mettre vite fait des charges. Non, les charges, c'est l'autre côté, espèce de con. Non, les charges, c'est comme ça. Au cas où, je dois avoir une solution de repli. Oh, pas une bonne idée du tout, ça, en fait, hein, faire ça. Attends, je suis en train de faire n'importe quoi. Ça, c'est un coup, elle se fait exploser bêtement pour rien. Ça, franchement, j'aime pas trop ce genre d'arme parce que tu peux vite te faire avoir bêtement pour rien. Mais vraiment bêtement. Bon, c'est fini le petit joujou, on change d'arme. Je m'en fous, je vais utiliser souvent le laser. Bon, de toute façon, je vais faire des gros tas. Laser pour tenir dans les manches, c'est vraiment excellent. Après, bien évidemment, il faut l'améliorer pour être encore mieux. Mais ça, je sais pas le faire. Et je vais pas chercher non plus à le faire. C'est bien que j'ai pris un peu double coup parce que peut-être ça va nous servir. Peut-être, j'ai dit. Des fois, ça atténue en fait un petit peu l'impact du laser. Un petit peu, des fois. Donc, ça reste à bras en fait. Donc pas besoin de recharger, c'est ça qui est cool. C'était le dernier celui-là? Même pas. Voilà, pour une fois que j'ai besoin, on va dire, de plus me balader, bah il y a un rond-point qui est là. Plutôt deux. Voilà, là je suis refait, c'est ça qui est bien. Donc j'espère ne pas tomber en fait et perdre mon laser, c'est ce qui va se passer. Hein. Dès que je vais mourir en fait une fois, je perdrai les trois atouts et je perdrai bien évidemment mon laser. Le truc qui fout bien les boules quoi. Bon c'est pas grave vous allez me dire mais c'est quand même assez chiant. Faut pas que j'oublie de faire très attention comment je me déplace. S'il te plaît calme-toi toi. Donc le passage, faut pas qu'il soit trop bloqué. Eh, c'est pas mal du tout quand même les mines. Hein. Après les singes, c'est encore mieux. On peut pas tout avoir non plus. Hein. J'aurais bien aimé en fait avoir des singes à la place de mes grenades. Faut que j'aille après dans le coffre plus tard les chercher. Ah, j'ai plus mon atout. Ah les deux ils sont trop près là je trouve. Vous trouvez pas qu'ils courent trop près eux? Il y a rien d'autre là. Oh putain, c'est bien pointé celui-là. J'élimine un peu le tas. En fait je vais moins faire mon gros monstre que d'habitude, je suis quelqu'un qui économise le laser, mais je me dis vas-y à chaque fois, t'es comme un gros con en train d'économiser les balles du laser pour les garder pour plus tard, mais t'arrives jamais à plus tard, donc ça sert à rien. Là, il en reste pas beaucoup. Des rampants. Voilà. Comme ça, on va avancer un peu avec nos armes. Même si je m'en fous un peu. Bref, maintenant, je vais tout simplement repiocher un petit peu dans le... Bah, déjà, je vais prendre une boule. C'est 500. Profitons-en. Cette machine me déconcentre avec ses sons et ses lumières. C'est quoi, ça? Ah ouais, d'accord. Donc ça, c'est bien, ça. Donc je vais avoir une arme puissante. Ok, ça veut dire que je mettrai ça pour le laser. Ça sera un sacré punch.
Donc je suis ici. Repartons en arrière. Je pense qu'après on va avoir les chiens ou un robot peut-être. Donc je pense que je vais garder le truc pour le robot. Je veux pas faire le con. Je crois que j'ai deux en fait d'armes comme ça. C'est ça qui est cool, je vois deux, il y a marqué. Bon là on va se prendre en fait un nounours à mon avis. Je ne vous le cache pas. Du tout, du tout, du tout. Alors, ça va être un nounours ou pas? Calme-toi. Calme-toi. Bon, vas-y, prends cette arme-là. Voilà, je m'en doutais. Reviens tout de suite. Non, reviens plus. Bon, maintenant, faudra que je retrouve le coffre. Ça va pas être compliqué, je pense qu'ils vont me le foutre à côté. Ah bah bizarrement, je peux pas trop regarder le ciel. Hein. Bon, je verrai ça de toute façon de l'autre côté. Donc attention, je savais même pas qu'ils avaient en fait une invocation de robot en fait. Ça c'est chiant ces robots là. Ça vous rend quand même fou. Hein. Donc attends, la boîte, elle est de l'autre côté. Ça tombe bien, tu vois, j'avais raison. Elle est juste à côté. Elle est dans la maison, je crois bien. Non, à l'extérieur de la maison. Merde. Ah, elle est là? Ah, trop fort, elle est juste à côté. Ah, oh, bah, ça fait plaisir pour une fois. Donne-moi les bombes singes. Il reste encore beaucoup à faire. Je dois être fort. Très fort. Si c'est des bombes singes, je prends. C'est quoi ça? Je connais pas cette arme. Je l'avais à deux secondes, tête de con. J'ai changé une bonne arme contre une arme pourrie. Bon, c'est pas grave. On va tenter rapidement les bombes de singe ou pas? Comme ça, je vais avoir toute l'artillerie pour faire un grand combat. Non, ça, c'est vraiment pas terrible. Bon, tu sais quoi? On va pas s'embêter parce que si je meurs, j'aurai pas les moyens de m'acheter un masto. Ça sert à rien de faire le combat bêtement pour rien. Bon, il va m'envoyer quoi? Des chiens, des léopards, des robots, des zombies un peu plus énervés. Je me méfie maintenant. Non, ça reste des zombies. Oh l'enfoiré, comment il a couru celui-là? Faut pas que je tire trop près avec le laser. Aïe, 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 ça pique, ça y est, ça commence. J'élimine un petit peu de désastre, là. Le but c'est quand même d'arriver un petit peu. C'est quoi? C'est mon arme préférée? Non, même pas. Merde. Plus tard, ouais, faudra qu'on prenne aussi le train histoire de voir ce que ça donne. Pourquoi tu gueules comme ça, toi? Là, ce que j'aimerais bien, c'est la petite sulfateuse là. Ça, c'est, ça reste quand même un sacré kiff des coins là, c'est là. A chaque fois, à 4, en fait, on a toujours un qui se lançait, qui l'a piqué à tout le monde et c'était toujours les mêmes, quoi. Ça, c'était chiant, ça. Dès que tu joues toujours à plusieurs, il y a toujours un qui veut toujours tous les meilleurs trucs. Ouais, bah j'ai pas, je peux pas faire le con. Donc on va faire quand même un tour rapidement dans la braderie. Bodji le gros crevard. Oh putain, j'avais les bombes de singe il y a deux secondes. Ça sert à rien de faire le con. Est-ce que la braderie s'applique aussi sur les atouts? Non. Oh là là, t'es vraiment nul, Bodji. Il a un laser, le mec, il met tout à côté. Là, il nous en reste pas beaucoup. La fin du dragon n'est pas encore assouvie. Je m'en fous du dragon, je les nourris pas. Ah, ça, c'est un piège. Si je l'active comme un gros con, parce qu'au moment où je recharge, je pense que je vais passer sous le piège et je vais vraiment avoir du mal, en fait, à remonter après la pente. Moi, il est où, le petit zombie? Nickel, c'est bien. J'avoue, le début était pas du tout prometteur. Hein. Rappelez-vous tous les petites fessées qu'on s'est pris. On commence à aller un petit peu mieux. Et en plus, pour une première expérience, la première fois que je teste la carte, faut quand même que je vous fasse, comme d'habitude, des manches un petit peu 20-25, ça me convient, moi. Pour une première, je peux vous dire que ça peut être vraiment sympatoche. Donc, par contre, trop d'armes, tu t'embrouilles vite, en fait, dans la sélection que tu veux avoir. Tu vois, regarde, tu vois, ça commence déjà.
Quoi, je vais en mettre une après puncher là, des machins. Vous allez voir ce que je vais essayer de faire là. Ah, t'en élimines un sacré tard. Dommage qu'on en a pas plus des trucs comme ça. Le combat ne s'arrête jamais. Vous allez payer le prix. Oh, le gros con. On m'en doutait. Bon, j'ai plus le laser, c'est fini. Vous voyez comment on peut se bloquer bêtement? Putain, dommage que j'ai pas d'atout après pour pouvoir en avoir d'autres. C'est parce que j'ai pensé à autre chose pendant 2 secondes, c'est tout. Ça va être la merde. Laisse-moi tranquille. Ça va être un peu la merde. Bon, allons-y normalement. Et j'ai perdu le plus beau joujou que j'avais, c'était le laser. Je suis dégoûté quand même. Hein. Le laser, je l'ai perdu comme un gros con parce que tout simplement, j'ai voulu faire un petit peu le mec qui veut faire trop n'importe quoi. Si j'arrive à récupérer le masto, ça va être parfait. Je meurs de soif. Ça va, on a le masto. Je sens comme une petite coquement. Putain, mais il court trop vite, cet enfoiré. Il court trop vite, il m'a complètement perdu. Ah, ça va être chaud, si je reste bloqué là-dedans, je suis mort. Bon, faut que j'aille me chercher une autre arme en fait, tout simplement. Pas de bol, pas de bol. Tout ça parce que j'étais en train de... J'étais trop perturbé là. Moi, c'est pas grave, de toute façon. Le but, c'est qu'on a droit encore une dernière chance. C'est pour ça qu'il faut pas trop non plus vouloir être trop gourmand en fait, au niveau des armes. Trop dépenser son argent d'un coup, parce que si ça arrive, vous avez pas l'argent pour le mastodon, vous avez déjà perdu parce que vous avez mal calculé votre coût en fait. Et ça m'arrivait plusieurs fois dans le jeu, j'étais assez déçu par rapport à ça. Donc là, il me faut juste un laser et c'est bon. Je suis reparti pour des manches tranquillement. Bon, c'est pas gagné, hein. Il va pas sortir sur commande. J'allais dire, il va pas sortir sur commande, mais finalement, il me l'a donné sur commande. Merci. Un dernier truc, je m'en fous, je tente tout pour le tout. Les trois plus importants à tout pour moi, c'est ça. Et maintenant, j'économise plus rien. Franchement, vous avez vu ce coup de chance de malade? J'ai un laser qui est sorti comme ça par magie parce que j'en voulais un. Donnez-moi leurs âmes. Oups. Les chiens sont de retour, une fois de plus. Ah, faut que je me fasse gaffe, putain, c'est vrai, j'avais... Oh lolo, c'est qui ça? Oh l'enfoiré, il y a un robot. Putain, mais c'est relou dès que c'est punché. Il est où lui? Il est où ce robot là? Oh l'ordure. Oh l'enfoiré, il a pété. Oh lolo, il est en train de mon cul aplatir. Oh là là, il est chaud lui, hein. Il va encore péter, voilà, je m'en doutais. Oh, c'est un truc de dingue lui, hein. Oh là là, et il est sérieux lui. Il était chaud, hein. Il y a encore un chien. Aujourd'hui, tu as les crocs. Oh, regarde comment il court. Eh, s'il te plaît, t'as vu comment ils sont sortis par la fenêtre? Oh, heureusement que ça s'est sorti au bon moment. Oh putain, la manche va devenir extrêmement chaude là. Oh mais comment tu veux que je tienne? La vitesse des zombies est trop importante. Quoi, y'a quoi là qui me tape là? Ah, ça va disparaître en moins de 2 secondes ça, je vais être comme un gros con.
Oh là 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 là, je sais pas c'était quoi, mais ça fait mal. Ça, je peux passer par là. Je sais pas, il y a quelque chose qui brillait là. Moi, ça brille plus, hein. Ah, parce qu'il y a les chiens en même temps qui se mettent. Non, t'es blé. Oh là là, putain, ils sont sérieux là-bas. Ils sont sérieux. Ils ont pété un câble vers la fin là. Ah, ils ont pété un fusible. Mais un vrai. Donc ici, pour tenir, c'est impossible maintenant. C'est fini. Ici, tu tiendras pas. Faut que j'aille me chercher des bombes de singe, peut-être pour me sauver un peu la mise. Pourquoi Bodhi t'a fait ça? Pour me rapporter un peu plus de points. Voilà. Donc là, il reste plus rien normalement. Oh là là, la manche, elle est balèze, hein, quand même, hein. C'est des fous furieux. T'as vu quoi? Eh, mais ils sont sortis d'une vitesse par les fenêtres. Vous allez bien vous marrer, hein. Oui. Ça lui fait plus rien. Oh, le laser lui fait plus rien. Ouh, aïe, 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 aïe. Je l'ai touché? Oui, 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 même pas. Ouh là là, calme-toi. Putain, ils sont extrêmement énervés, hein. Ouh putain, ça, on va pas tenir longtemps. En fait, ils courent plus vite et moi j'ai pas le truc pour courir. Putain, c'est ça qui m'handicap en fait depuis tout à l'heure là. Vous savez ce qui me dégoûte, c'est pas qui me dégoûte, hein, j'allais dire une connerie. Ce qui me pose problème maintenant, c'est courir plus vite. Que j'ai pas. C'est ça qui en fait qui va nous poser un sacré problème. Je ramasse pas la braderie parce que ça c'est un coup à se faire manger. Un piège. Oh là là, je sais pas où elle va la capsule, mais j'ai même pas envie de la prendre. Oh putain, nine nine nine, ça fait mal. Ça fait très mal d'un coup là. Pire qu'encerclé, tu veux dire? Ouais, je pense que le laser il pose un problème au bout d'un moment parce que tant que t'as. Ouais, c'est double coup qu'il faut pour pouvoir le calmer. Il est trop puissant là. C'est ça la dernière fois qui m'a tué sur un des zombies. Body, concentre-toi et ça va bien se passer. Du moins, j'espère. Du moins, j'espère que ça va bien se dérouler. Parce que je suis pas forcément. Ouais, faut que j'aille chercher l'atout là. Sinon, je pense que si je me fasse un petit bisou avec un zombie, je vais le regretter très 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 rapidement tout ça. Avec quoi là? J'avais même pas pensé qu'il y avait une porte encore ici. Oh là là, il y a des portes partout en fait. Hein. Tu t'embrouilles très très vite. Par contre, tourner ici, c'est un suicide, hein, je pense. Je vais chercher le double coup qui est juste en bas. Maintenant, je sais à peu près où il est. C'est combien ça? Putain, tu peux rien faire. Connard. Il m'a rien donné. Oh là là, l'ordure. Cette boule de gomme ne va pas caler mon petit creux. 4500, ils sont sérieux. Bon là, ça c'est un coup à se faire tuer ici. Hein. Et pas qu'un peu, hein. Vous allez voir la vitesse des zombies. Je pense que je vais me faire bloquer dans le couloir si ça continue. Ça, faut vraiment que je cours plus vite. Hein. Je vous l'ai dit qu'on va se faire bloquer dans ce couloir un jour. Et j'avais raison. Ça allait finir par arriver. Putain, la vache. La vache. La vache. J'ai dit que j'arriverai jusqu'à 25. Laisse-moi le temps d'arriver jusqu'à 25, s'il te plaît. Mais si je manque de balles, par contre, je suis dans la merde. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on peut même tourner ici sur le côté. C'est ça qui me plaît. Oh,
Faut que je fasse gaffe au niveau du sol. Putain, les munitions, comment elles sont en train de partir en moins de 2. En fait, il y en a tellement de zombies qui courent vite que j'ai plus trop le temps de me regarder en fait mes balles. Fiable et efficace. Au moins de ces qualificatifs me correspondent. Ni vous, ni personne ne vous dresserait entre moi et mes x2, ça peut peut-être nous sauver un peu la vie vite fait. Je le ferai même gratuitement. Faut les munitions maintenant. Merde. Quoi? Je savais même pas qu'il y avait des yens qui pouvaient arriver comme ça de temps en temps. Bon, si, je l'ai vu sur les anciens, mais je pensais pas sur celui-là. Putain, j'ai plus de balles. J'enfreins les règles tout le temps, mais le zéro contact, c'est sacré pour moi. Merde, en plus, ce qui est chiant, c'est que t'as vraiment plus de balles. Mais merde, plus de balles. Espérons qu'il y a un zombie qui va cracher les munitions. Donne-moi les munitions. Non. Tu veux pas. Toi, des munitions? Tu veux pas non plus. Toi, des munitions? Tu veux pas non plus. Bon, il reste 3 choix. Négatif. Bon, lui, il va pas cracher les munitions. Merde. Chiotte. On est bloqué. Faut que je prenne une boule, peut-être, qui va me donner un peu d'argent. Ouais, ça sert à quoi, cette connerie? Pour avoir des atouts. Je l'ai pris ou pas? Oh putain, on va demander une bubblegum supplémentaire, quel gros con. J'espère que ça me donnera assez d'énergie pour ce qui nous attend. Celle-là, elle sert strictement à rien. 9000 la prochaine. En fait, ils veulent me prendre tout mon argent, eux. Et là, on est dans la merde, parce que j'ai plus du tout de balles. Le défi du jour, est-ce que Body va survivre ou pas? Moi, je te dis que non. J'entends les yens en plus. Attention, je suis en train d'activer un piège. Que personne ne se jette dedans par erreur. Par erreur. Wouah, sans cervelle pour oser me toucher. Oh oui, c'est bien ce que je fais. Ouah putain, je m'en doutais que j'allais clamser. Ils sont trop nerveux. Bon, c'est pas grave, on a fait quand même 22 du premier coup. Ça reste sympa. Bon, la l'issue de secours, elle est où? Elles sont partout. Petit incident. Inutile de s'étendre sur le sujet. Oh merde! Ah, oh, j'étais bien parti. En tout cas, je vous ai présenté un petit zombie assez sympatoche. C'était pas si fastoche non plus que ça. Mais il était vraiment cool celui-là. Je l'ai bien apprécié. Donc ça change un petit peu de l'autre. Donc après, bien évidemment, je ne me suis pas penché sur les secrets ou je ne me suis pas tout simplement préoccupé plus que ça de certaines choses en fait que d'habitude en fait on peut explorer sur un zombie. Je me suis dit écoute, je vais me concentrer que sur le gameplay. Donc ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir en fait vous le présenter malgré que j'ai mis un peu de temps à le sortir sachant que je suis parti un petit peu en vacances. Et je vous cache pas, c'est que il est intéressant, mais il faut être vraiment très vigilant par rapport en fait à ce qui nous attend parce que on se rend compte qu'ils rigolent vraiment pas. Et que les zombies vers la fin arrivent trop n'importe comment. Et si on fait pas attention, on est très très mal au point en fait. Voilà, je pense que c'est assez correct hein, pour l'instant. Ça reste quand même une petite partie, une petite première. Moi ça m'a fait plaisir. Donc là je vais vous ouvrir un petit peu les fameuses boules. Ouais, trop fort. Allez, 4 boules. Même pas. La quatrième, elle arrive quand? Même pas. Allez, on va encore ouvrir les 3 autres. Ah, j'ai pas assez de points. Oh, les ordures. Bon, allez, 2. C'est pas grave. Comme par hasard, l'autre à côté était meilleur. Même pas. Ça va, ça reste quand même assez sympa. Donc, ouais, ça me fait assez marrer, en fait, de voir que le zombie... ils l'ont bien changé, en fait, depuis le temps. Et ça, ça fait vraiment plaisir de voir, en fait, cette petite possibilité de faire ce qu'on veut, en fait... maintenant avec ce petit truc. Donc là en fait les armes après dans le coffre, dès qu'on trouvera on pourra les équiper. Donc pour l'instant dites-vous bien, c'est qu'on est encore loin d'avoir tout bien mis à fond. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et bien évidemment j'essaierai aussi de faire un petit retour sur Aldatoir, sur les premiers en fait zombies, un custom map zombie. J'essaierai de vous faire ça très prochainement. J'avais ça en tête depuis limite 2 ans. Mais je vais me lancer un petit peu plus dedans. Et je vais essayer aussi de faire quelques petites surprises sur Black Ops en général. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc c'est plutôt cool en fait de pouvoir partager cette première petite expérience sur ce zombie là avec vous. Voilà, je vous embrasse, gros bisous, à bientôt.